Bonjour à tous, salut les gamers, c'est ZDabug419 ou Super Game 3000. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Skyrim, un jeu que je viens tout juste de acheter, hein. Comme vous l'avez vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, car voilà, j'ai fait une petite pause pour pouvoir prendre le temps et quand même de m'acheter un nouveau jeu, etc. Hein, tranquillou, là des serrages chelous, là c'est le mec qui m'accompagne, hein, regardez. J'ai beau brûler, faire ce que je veux avec lui, il s'en fout totalement. Donc voilà, donc je vais juste jouer un petit peu pour le fun. Et je ferai quand même pas mal des quêtes de ce jeu en votre compagnie. Évidemment, j'aurai pas un espèce si ce jeu est vachement long. Mais je ferai pas mal des quêtes en votre compagnie, car je pense que j'aurai de quoi faire avec 150 heures de jeu pour Skyrim. Alors je me dépêche. Bon, évidemment, là je suis en vue à la première personne, mais je peux aussi me mettre en vue à la troisième personne. Là. Regardez, hein. La première personne, la troisième personne, bref. Il est où l'autre là? Viens ou quoi? Fini, je le tue. Clevé. D'ailleurs, une fois, j'avais tenté de voler ce mec, mais après, il a tenté de me buter, et puis il m'a battu. Écoutez, hein. Côté des... Où est-ce que je dois aller? Regardez quand même mon personnage assez stylé. Hein. Il est d'art. Il est d'art. Hein. Bref, je me vais plutôt jouer à la première personne. Et tant que cela n'aura pas été confirmé par le général Tullius, ne vous approchez pas des soldats impériaux. Et... T'inquiète, Albert. D'accord. Même si ça rime pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, évidemment, on peut aller un peu partout, hein, voilà, dans la cascade, bon, hyper utilité. Ah, c'est beau quand même, attendez, les profondeurs, là. Ah, probablement, va... Attendez, je suis où, là? Ah. Je sais pas où est-ce que j'étais. C'est pas grave, je crois que j'ai perdu le mec. Ah non, c'est bon, il est là. Je vais lui prendre un petit raccourci, je pense. Ah bah va crever. Ah bon, au départ j'avais un petit bout plié, mais bon j'ai vite fait de pas m'en servir. Donc là le loup, il a une peau de loup, ce qui paraît logique, hein. Et d'ailleurs là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de prendre donc sa peau de loup au loup, et on voit toujours qu'il a sa peau. Et d'ailleurs là maintenant il me propose de chercher le loup vide. Ça raconte de chercher un loup qui est vide et qui a rien. Mon débile, c'est comme essayer de voir ce qu'il y a dans une carafe d'eau qui n'a pas d'eau. Ouais, un loup qui a des flèches aussi, normal, hein. Bon, c'est vraiment un super jeu. J'avais quand même vu pas mal de vidéos de ce jeu là. J'espère que l'intro vous a plu. J'ai passé du temps en espérant que vous aimeriez bien, car si vous aimez pas, je vais tous se tuer. Ma tata, il y a des amis, je vais le tuer. D'ailleurs, une fois, alors que vous voyez, donc en fait, le mec, on a beau essayer de le buter, il s'en fout, sauf si on décide de le voler. Que j'avais essayé de faire une fois. Que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. Ouh, on est presque arrivé à Rivebois. D'ailleurs, dans mon autre partie, car évidemment j'ai une partie où je joue en off et une partie où je joue avec vous, hein. Enfin non, enfin ouais. Et donc, et ben, dans mon autre partie où je joue en off, en fait, j'ai volé des choses dans un magasin, puis maintenant, à chaque fois que je me retrouve dans ma partie, bah, y a des gens du magasin qui me courent après pour essayer de me buter. Et le seul moyen, c'est de me barrer, car une fois après que je suis derrière la rivière, bah, les gens, puisqu'ils savent m'allager, bah, ils arrêtent de m'attaquer, en fait. D'ailleurs, vous savez quoi, apparemment, quand on tue une poule, il y a la police qui nous cherche. Enfin, la police, il n'y avait pas trop de police à l'époque du Moyen-Âge, c'est surtout les justiciers. Donc en fait, ce qui s'est passé au début, même si je pense que pas mal doivent le savoir car ce jeu est déjà sorti depuis pas mal de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'était que... Est-ce qu'il parlait là? Non. En fait, ce qui s'est passé... Attendez, je te juste... Oh, pas mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais prisonnier, donc... Et puis, après, juste avant que je me fasse guillotiner, enfin, que je me fasse couper la tête, il y a un dragon qui est venu et qui a foutu le speech. Mais bon, j'ai mis ces séquences donc dans l'intro. Hein. Oh, le mec il va essayer de me tuer là. Le problème c'est que moi aussi je suis que niveau 1 là, donc je suis pas très balèze quoi. Attendez, j'essaie juste de le buter. Va crever. Ah, c'est vrai que c'est un super RPG, hein. Ok. Alors je ne connaissais pas cette attaque, je sais, je ne suis que niveau 1, mais bon. De toute façon, normalement, ça sauvegardait automatiquement dès que j'étais rentré dans la ville. Donc bref, moi, je vais arrêter de faire n'importe quoi et je vais tenter de me promener un petit peu et tout, de visiter le jeu. Donc ça, je sais pas ce que c'est. C'est une statue qui tient la lune et le soleil. Ça ne brûle pas un petit peu les mains, le soleil? Non. Bon, bref, on s'en fout, j'ai arrêté de faire le con. Puisque c'est une statue, alors. Hein. Alors.
Là, 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 chargement court. D'ailleurs, il y a marqué un petit truc en bas à droite. Mais vous vous en foutez. Voilà. Vous voyez, Serwin, c'est le tertre des chutes tourmentées. Quand j'étais petit, j'en faisais des cauchemars. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ah ouais, ça fait stylé quand même. C'est ça, ça fait assez flipper. Oh, pas mal, n'empêche les flammes. Donc bref, au lieu d'aller dans la ville, je vais tenter quand même de admirer quand même le paysage quoi. Ah, apparemment quand on tourne, on perd de la vie. Je savais pas. C'est complètement débile. Donc je me promène juste, hein. Je vais éviter quand même dans les endroits urbanisés, dois-je dire. Oh, quelqu'un a volé. Mandé. Ah non, c'est quelqu'un avec des flèches. Ah, ceux qui ont des flèches, ils sont balèzes, hein. Je déconne pas. Ah, c'est bon, j'ai réussi à tuer parce que, comme j'ai dit, dans mon autre partie, j'ai un magasin où à chaque fois, les gens, ils essayent de me tuer. Mais, c'est tout le temps la meuf ou le mec qui a des flèches. Donc en fait, il y a un mec et une meuf qui ont des flèches. Et à chaque fois, ils arrivent à me tuer. Parce que les flèches, c'est quand même assez puissant. Donc, flèche de fer, je prends... Oui, je prends une bière, il n'y a aucun problème. De la bouffe, parfait. Du fromage. C'est quoi ça? Peau d'ours. Ouh, peau de chèvre. Poitrine de faisan. Je sais pas trop ce que c'est. Eh mais c'est un gourmand celui-là, dis donc. Je vais prendre son arc long. Voilà, maintenant j'essaie de voir pour l'arc dans les armes. Donc. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était une sauvegarde automatique. Car évidemment, il y a quand même le système des sauvegardes automatiques. Évidemment, on peut quand même sauvegarder quand on veut. Hein. Heureusement d'ailleurs, donc attendez. Voilà. Ah d'accord, c'est comme ça que je peux viser donc. Ok, comme ça moi je pourrais réussir à viser des gens. Alors donc avec R1, je jette les flèches et avec L1 justement je donne des coups. Donc comme me mettre en vue à la troisième personne, ceci c'est stylé. Par contre j'ai pas trop compris quand même le principe de ces statues. Apparemment je peux les activer, attendez. Se placer sous le signe du guerrier comprenant les compétences de combat 20% plus rapidement, vous ne pouvez bénéficier que d'un seul bienfait de signe à la fois. Ok. Ah et sinon, il y a un truc assez stylé, c'est les compétences. On peut voir ça dans le ciel en fait. Là, c'est les compétences donc. D'ailleurs, j'ai obtenu un trophée, c'est le trophée béni, mais bon. Mais bon, normalement, vous ne pouvez pas le voir sur l'écran à cause du format en 16/9. Alors, ça, c'est la constellation de la roue. La constellation du mec qui tient l'épée. Génial. Ouais, stylé, hein. Il y a quand même énormément de niveaux, hein. C'est un truc de malade. C'est... Donc, évidemment, c'est The Elder Scrolls 4, donc qu'évidemment il y en avait avant, mais bon, ça j'imagine que vous êtes au courant normalement. Moi je vais pas rester là pendant tout le long. Est-ce que je peux passer par là? Oui, je peux même me mettre à nager, vous avez vu ça? C'est pas comme dans Red Dead Redemption où on sait pas nager, hein, où à chaque fois on se met comme des pauvres merdes. Hop, c'est quoi là? J'ai clairement tombé. Ya yeah petit plongeon, où est-ce que je vais aller? Ta 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 ta. Je vais tenter de voir sur la carte et je vais essayer d'aller au village puis de me faire des gens avec les flèches. Voilà, Blanche Rive. Voilà. Me le mettre comme objectif. Ok, c'est vers là-bas. Aucun problème. Ouais, je saute et j'ai mis fou. Évidemment, c'est triangle pour sauter. Donc évidemment là, quand même, je suis tout au début du jeu, donc c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Ah, vous savez quoi, j'ai tenté de me faire ce cerf là. Attendez. Le seul, maintenant il me reste plus que 13 flèches, hein, c'est marqué en bas à droite dès les clans. Il faut que je trouve un animal, j'aimerais bien quand même essayer de tester ces flèches là. Parce que le problème, vous voyez, c'est quand on s'apprête à viser, puis quand on lâche, on tire même si on veut plus. Vous voyez là je peux pas l'annuler, je vais être obligé de tirer une flèche. Et je l'ai pas eu. Sans preuve, on peut toujours essayer de voler des flèches aux gens. Hein.
De toute façon, je m'en fous, celui-là, je vais me faire à main nue. Viens! Maudit lapin! Il est molle. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais me servir de l'arc plus tard. Pour l'instant, je vais reprendre mon épée. Voilà. Et maintenant, ne me cherche pas! Parce que je suis un homme dangereux. Voilà, j'ai obtenu des lapins. D'ailleurs, apparemment, ça a le goût de poulet. Hein. J'en ai déjà mangé une fois. Enfin, pas dans le jeu, hein, dans le monde réel. Mais en fait, c'est un peu comme un goût de poulet. Hein. Enfin, je n'étais pas trop au courant que c'était du lapin, mais je croyais que c'était du poulet. Bref, vous en foutez. Foutez ma life. Donc, quand même, c'est sûr que les nuages, c'est stylé. Donc, écoutez, là, j'ai tenté de me servir de mon arc. Arc long et des flèches évidemment parce que un arc sans flèche ça sert à rien hein. Ah, tiens d'ailleurs ma manette n'a presque plus de batterie, c'est pas grave. Oh rien à foutre le mec. Chut, mon oncle, s'il vous plaît, parlez-moi. Je vais bien. Mais nous devrions. Nya nya nya. Maintenant j'ai tenté de le buter à l'épée. Bon, c'est pas très très pratique, mais je crois qu'on peut tenir les deux. Hein. Et l'épée. Ah non, en fait, je peux pas avoir l'arc et les flèches avec l'épée en même temps. Non, c'est pas grave. Nya! La crever! Donc, apparemment, quand même, dans le jeu, il y aura des passages quand même, on combattra des dragons, donc c'est assez stylé. J'attends que je vous dise, c'est la troisième personne. Ah, c'est pas mal, n'empêche. Attendez, là, par contre, je crois juste que je vais crever, parce que contre deux personnes, je crois que j'ai aucune chance, sachant que je suis qu'à niveau 1. Surtout que là, tout le village se rebelle. Le seum. En plus, là, il y a un mec avec ses flèches, donc je me fais encore toucher une fois, je crois. Et je suis mort. Ah, d'ailleurs, là, je me suis fait encore toucher. Bah, je crois que là, cette fois-ci, me fait toucher encore une fois, je suis mort. Hein. D'ailleurs, je crois que la vie, elle se régénère petit à petit après. Mais pas très très vite, quoi. C'est quoi dans mes objets? Est-ce que j'ai comme nourriture? Ouais, bon. Je prends du fromage, du lapin, voilà. La bouffe côté, hein. C'est bon, il s'est démangé. Moi, je suis au beau milieu d'un combat et puis je me bastonne. Ouh, ouh. Ah, voilà, au beau milieu de la montagne. Donc, écoutez, où est-ce que je peux aller d'autre encore? Je cherche. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de parties du jeu qui sont de la montagne. Hein, regardez là. J'aimerais bien. Bon, évidemment, je vais pas aller jusque là dans cette vidéo, mais je vais quand même essayer d'aller me promener pas dans la montagne. Tiens, bah, je vais me mettre comme objectif cette ville là, même si c'est pas forcément sûr que j'ai le temps d'y aller. Hein. Voilà, je vais là-bas. La 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 la. Ta gueule. Ok. Non, j'ai connu. Alors, le mec il dit sa gueule à lui-même, à l'heure. Par contre, il n'y a pas de tracé rouge qui se forme sur la carte nous indiquant où est-ce qu'on doit aller exactement comme dans Red Dead Redemption. C'est sûr, puisque ce n'est pas Red Dead Redemption. Écoutez, que voulez-vous, c'est la vie, quoi. Hein. Ah non, ah zut, je suis déjà allé ici. Je peux pas monter là. Ah ouais, on dirait bien que je peux monter. C'est quoi? Je vais passer mon temps en premier hein, dans ce jeu. Hein, je l'ai partout, au beau milieu du monde, je m'en fous. Au beau milieu du trou du cul du monde. Allez, grimpe. Je saute comme Mario. Mario Bros. Oh yeah. Oh yeah. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouh, des plantes. Ouais, bon, un petit peu naïf. C'est pas non plus un super projet de vidéo, mais bon. C'est juste donc pour présenter ce jeu-là, quoi. Oh punaise. Ah, ça c'est stylé ça par contre. Ah zut. C'est qui ça? Est-ce que c'est un bandit? Au pire, vous verrez bien. Ou au pire, je verrai bien quand j'arrête de tuer si c'est un bandit. Ah, c'est bizarre, les flammes elles ont l'air blanches. Ah,
c'est bon, il est déjà mort. Je vais fouiller le mail donc. Attends. Ah, c'est chiant, c'est qu'il y a un bouclier, je vous jure. Que j'ai plus une arrière de vie. C'est vraiment bête que je crève maintenant. Allez. Au pire, vous savez quoi, je crois que c'est mieux hein, d'être en vue à la première personne la plupart du temps en fait. Allez, toi, crève. C'est bon, il est mort. Quand il y a une petite cinématique, on voit notre personnage comme ça en train d'enfoncer une épée dans le mec, c'est qu'il est mort en général. Hein. Alors, je monte. C'est quoi, je préfère encore être en vue à la première personne. Hein. C'est plus réaliste en fait. Quand on est en vue à la première personne. Alors que dans Red Dead Redemption, on peut pas choisir d'être en vue à la première ou à la deuxième personne. Ou à la troisième personne, on est obligé d'être en vue à la troisième personne. Donc là, vous voyez, on peut choisir et tout, c'est bien quoi. Ah, quel débile. J'ai tenté de monter. Ah, ce qui serait bien, ce serait que je puisse viser des animaux d'en haut. Même si je pense pas trop qu'il y ait des animaux dans un temps pareil. Ok. Je sais vraiment pas me promener dans un château en ruine, moi. Hein. À chaque fois, je tombe dans le trou qu'il y a dans le plancher. Ah, c'est bon. Alors, là. Oh, c'est sympa ici. J'ai remarqué quand j'étais en bas il faisait hyper beau et là maintenant il fait un temps de ouf où il fait hyper mauvais et tout. Ah, coffre. Oh, l'arc trodeur, l'arc de chasse, quand il est de peau. Oh, évidemment, moi je prends toujours l'or, la potion vigueur, une torche, même si j'en ai déjà une, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'ailleurs, est-ce que dans ce jeu là il y a la gestion du jour et de la nuit? Parce que à vrai dire, là, ok, je viens juste d'avoir le jeu, mais il n'y a pas encore eu de jour ou de nuit. Il fait toujours jour. Toujours un temps moisi aussi. Parce que là, il fait vraiment un temps moisi, quoi. Non, mais moisi de chez moisi, là, je déconne pas. Alors, je vais redescendre. Au moins, j'ai gagné un nouveau arc. Ah, j'adore les jeux comme ça, n'empêche. Ça change un petit peu des jeux où on s'entretue et on se tire dessus. C'est ça, dites non. Je passais. Attendez, je vais juste, voilà, je vais à la première personne, comme je venais de le dire, c'est plus réaliste. Allez, saute. Oh merde. Ah, il est où mon objectif déjà? Il est là-bas. Comment réussir à passer? Voilà, comme ça. Donc évidemment, je m'achèterai donc d'autres jeux de PS3, hein. ce Skyrim là, par contre, bon, après il n'y a que leur Skyrim, hein. Deux heures de scroll 4. Il a coûté 30€ quand même, donc alors que ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. Alors d'habitude, en général, les jeux qui sont sortis il y a longtemps, ils coûtent toujours dans les 20€. Mais c'est vrai quand même, c'est un très très bon jeu. Hein. Il dénote pas mal de jeux vidéo.com par exemple et de d'autres sites. On court, on court, on court. Oh yeah. Hop, oh, punaise, attendez. Arme. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais en fait, c'était juste un drap qui était accroché au terre. Oh, punaise. Oh, punaise. Attendez, celui-là, il faut que je prenne mon épée. Là, en fait, je pense que c'est mieux de garder son épée quand je suis au beau milieu de la nature. Hein. Alors que quand il y a un loup, je pratique quand même l'épée. Voilà. Oh, punaise! Oh, c'est quoi ça? Oh, punaise, un géant! J'ai aucune chance, là. Aucune chance. Parce que franchement, vu mon niveau splendide, vous savez quoi? Je vais sauvegarder maintenant. Voilà, comme ça, au cas où je crève, je recommencerai juste ici. Voilà, créer. Ah non, c'est où que je vais le sauvegarder? C'est là que je vais le sauvegarder, au pire. Hein. Puisque c'était ce donné-là que j'avais pris pour la vidéo. Et donc, je vais donc sauvegarder ici. Voilà, sauvegarde donc que vous pouvez rester patienté. Voilà. Oh punaise, ça se
truc de malade quoi. Attendez, parce que franchement, c'est un truc de malade ça. Ah bah écoutez, oh comment j'ai été giclé. Je suis monté à 3 km de hauteur là, hein. C'est vraiment que ce truc était surpuissant quoi. Oh regardez quand même. C'est d'art. C'est d'art, c'est quoi? Tu te racontes que les Nordiques arrivaient autrefois à Tormiel après avoir quitté les Ningning. Alors que moi, mon personnage, en fait, c'est un orc. Voilà. Je me disais quand même que c'était assez bizarre. Hein. Attendez, je vais prendre les flèches. Ça y est. Mais en fait il me donne un seul coup et puis je suis mort hein. Donc écoutez, vous savez quoi, ce que je vais faire c'est à chaque fois je me régénérerai avec de l'autre magie là, ou alors au pire j'abandonne parce que franchement ce monstre là il est balèze quoi. Est-ce qu'on peut essayer de abandonner le combat, parce que c'est vrai quand même que contre ces monstres là on a aucune chance quoi. Attends, comment je suis giclé à des kilomètres à la ronde, plus j'ai plus d'endurance. Bon, qu'est-ce que j'ai dans les objets? Armes, voilà, tous. Arc de chasse, arc long, armure, bon, armure, c'est pas trop une armure, hein. C'est plus un t-shirt, enfin, c'est pas un t-shirt, mais qu'est-ce que je veux dire? Oh punaise, en plus il y a plusieurs géants. Je vais crever. Ta gueule. Ok. Donc évidemment, dans mes autres vidéos de Skyrim, les vidéos auront réellement un but autre que se promener dans, bêtement dans la nature. Hein. Je ferai vraiment des quêtes et tout dans mes autres vidéos de ce jeu-là. Attendez, des loups. D'ailleurs j'ai gagné en niveau de destruction. Ah d'ailleurs ça je crois pas que c'est un loup, mais je connais les animaux tués. Car j'ai jamais aimé les animaux. Je suis un homophobe. Enfin un animal phobe. Excusez-moi de me tromper le mot. Parce que les animaux et je voulais dire un animophobe, mais je plaisante, je suis pas un animophobe. Hein. Je suis un rien phobe. Je suis phobe de rien. Ah regardez le géant, il est là. Il fout rien. Faut juste essayer de le battre. Après, quand tu donnes des coups, ça fait vibrer le sol. Hein. Ça c'est un truc de ouf. Donc attendez, parce qu'apparemment j'ai gagné la compétence. Voilà, niveau suivant. Qu'est-ce que je fais? Niveau gagné, choisissez votre amélioration. Au niveau de la santé, car la dernière fois j'avais choisi pour la vigueur, donc voilà, santé. Voilà, archerie, tiens. Ah ouais, c'est stylé, n'empêche. Dans le truc de malade, en plus à côté, on voit même des nébuleuses et tout, on dirait à côté là. Dans ce chemin-là, c'est vraiment stylé. Franchement, cette animation, je sais pas qui a eu cette idée là dans les développeurs, parce que je connais pas les développeurs, hein. Je les ai jamais vus dans le monde réel. Et moi, ce que je kiffe, ah, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Ou c'est ce truc, il est invincible, il faut que j'augmente de niveau. Mais aussi, ce qui est vraiment débile, genre, si on est au beau milieu d'un combat, on est tranquillou, on est en train de se battre, et là, stop! Et puis genre c'est ça qui est trop con, c'est genre on est au beau milieu d'un combat, puis on peut se mettre à manger et tout. Alors qu'on est au beau milieu d'un combat contre un géant. N'importe quoi. N'importe quoi. De toute façon là, avoir beaucoup de santé avec ce bon, ça s'avère à rien, puisque dès qu'il me donne un coup, ça me fait direct. Et puis je me mets carrément à voler à des kilomètres. Un truc de ouf ça, non? Bon, quelle est ma seule chance de survivre? Il est où mon objectif? Ok, il est là-bas. Il est là-bas mon objectif. Ok. Alors on court. Tac.
C'est qui ces gens là? C'est pas que ça à foutre, c'est un géant qui me court après, ok? Putain, il y a le géant qui arrive, attendez. J'essaie juste de me barrer. Ah, vite. Crevez, toi là. Ah là là. Non, si je crève, je vais prendre des trucs là. Ah bah oui, en effet, c'est là que l'on. Alors franchement, je sais pas d'où venait ce mec. Hein. Bon, après, je veux dire, c'est normal que je me fasse tuer à chaque fois. Hein. Je suis que niveau 1, puis je viens juste d'avoir le jeu, alors faut que tu me pardonnes. Oh, c'est quoi ce truc? C'est un ragnard, apparemment. C'est une sorte de gros rat qui niche dans les grottes, les égouts, la lumière. Donc c'est ce qui est marqué en bas à droite de l'écran, là. Sans, je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Espérons qu'il n'y ait pas encore un inconnu qui arrive pour me crier dessus. Enfin, me crier dessus. Pour me frapper. Sans aucune raison, juste pour le plaisir. Hein. Allez, frappons-nous pour le plaisir. Hein. Bastonnons-nous. J'aime me bastonner avec des inconnus. Ah, attendez. Ah, je croyais que c'était un dragon, mais en fait, c'était un animal qui passe en courant là. Évidemment, hein, quand il y aura des dragons et tout, je me filmerai. Hein. Enfin, enfin, je ferai une vidéo à chaque fois qu'il y aura un dragon. Attendez, apparemment, le mec veut me mettre en prison. Je sais pas pourquoi. Oh là 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 là, c'est pas possible, j'ai pas que ça à foutre. Mais comment est-ce qu'il a fait pour me tuer? Il m'a tué en un seul coup. Et c'est un truc de malade. Bon, je sais, je fais que de crever. Il faut que j'évite quand même de faire n'importe quoi. Mais ce qui me saoule au fait, c'est aussi qu'il y a le géant à chaque fois qui me court après. C'est assez un truc de malade. Oh, les potions, c'est trop d'art. Je sais pas ce que c'est. Le niveau de compétence archerie, liminaire, détermine la nature et la puissance des potions et poissons et poisons créés. Bon. Je vais essayer de tout lire, hein, sinon je serais jamais sorti de l'auberge. Ok. En effet, je suis que niveau 1. En un coup, je perds toute ma vie. Ah là là. Ah là là, bon poisson, je vais m'arrêter là. Hein. Mais j'aurais réussi à tuer un mec. Ce sera bon parce que quand même dans Chevet Duel quand même arrêt de Redemption où il suffit de sniper un mec ou de faire un headshot à un mec pour qu'il crève. Alors que là je suis obligé de faire plein de choses et tout, on bute à chaque fois. Laissez tomber quoi, je pense qu'il faut que je m'entraîne. Hein. Évidemment, je ne ferai pas non plus que des vidéos de ce jeu là, évidemment, faut toujours varier. Je suis quand même contre un géant, c'est un truc de malade ça, truc de malade. Ouais, c'est un animal mais en fait c'est un rocher. Ah non non, c'est bel et bien des animaux, regardez c'est des trains. Ah. Apparemment je peux fouiller les crabes même, je vois pas ce que je peux trouver dans un crabe à part une carapace et sa chair. Mais... Sauf peut-être si un crabe a de l'or sur lui, on sait jamais. Hein, un crabe peut très bien avoir de l'or sur lui. Hein. Regardez, les gens courent toujours après là. Ça me dirait bien. Je vais prendre l'arche. Enfin l'arche. L'arc. Bon il vient lui. Ah non, non, c'est pas un géant ça, c'est un animal. Quand en fait, je croyais que c'était géant. Et puis puisqu'il était loin, il paraissait petit, mais non en fait c'était un animal qui était assez proche. C'est quoi, je vais quand même le tuer. Hein. Oh puis je vais encore reprendre mon épée. Donc maintenant que il fait calme. Je vais m'arrêter là probablement. Attendez, il y a juste un petit bug. Le disque est plein apparemment d'après la légende du grand Wanuma. Ah donc je vais juste aller le vider. Et donc m'arrêter là. Hein, si vous permettez, attendez, je fais juste n'importe quoi avec la game capture. Donc attendez. Re-salut à tous, voilà, la clé de mon game capture est de nouveau plein. Donc par contre il va falloir que je me grouille d'arrêter. Car il ne reste plus que 10 minutes d'enregistrement dans mon micro pour enregistrer ma voix. Donc je suis juste le monstre là. Enfin le monstre, le pauvre animal innocent qui n'a rien fait de mal à part exister. Et moi j'aime pas que les vivants, je préfère les zombies.
Viens ici pour que je te tue. C'est vrai quand même que à chaque fois que je fais ma vidéo pour la première fois d'un certain jeu en général, et ben souvent, vous voyez, quand je fais donc la vidéo pour la première fois, par exemple une vidéo de Red Dead Redemption, par exemple ma première vidéo de Red Dead Redemption, et ben je faisais juste une mission et tout, puis c'était pas très intéressant, quoi, par rapport à mes autres vidéos d'après. Bah là c'est pareil avec Skyrim, la première vidéo sera pas très intéressant, je me promènerai juste voilà pour découvrir un petit peu le jeu, et après bah je ferai vraiment des trucs, des missions et tout, quoi. Attendez, c'est pas des âmes ces machins là? Ah non, c'est des lucioles. Ah non, non, c'est quoi? Attendez. C'est un flamourche, il me semble. Que après, en fait, vous voyez, quand c'était écrit pendant une seconde et qu'après ça a disparu, j'ai le temps de me rouler dans ma tête. Pas de plus. Vous avez réussi à m'attraper, je vois. Je vois payer la prime 40 heures. Je me rends, emmenez-moi en prison. Plutôt mourir que d'aller en prison. Vous savez quoi, je vais payer la prime. Mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés. Et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Ok, j'ai payé ma libération, apparemment. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Puis si je me retrouve en prison, je crois qu'on peut... j'avais déjà vu une vidéo où quand on est en prison, on peut s'enfuir par les sous-sols. Donc c'est un petit peu débile. Donc je m'enfuirai par les sous-sols, tranquillou. Ah, donc chargement en cours. Ah non, c'est bon, je me retrouve ici. Tranquillou, ils m'ont rien foutu. En plus, j'ai juste volé, c'est pas non plus la mort. Hein. Encore, dans Red Dead Redemption, le plus grave, c'est quand on tue des gens. Bon, c'est sûr, par exemple, dans GTA 4, on peut tuer tout le monde et tout, on n'aura rien. Dans Red Dead Redemption, ça devient un petit peu plus sévère avec la loi. Là, c'est carrément, on vole un truc et on nous court après tout le temps. Hein, il y a des jeux où on fait ce qu'on veut et des jeux où il faut suivre la loi, il faut être un gentil citoyen et ne rien voler, hein. Moi déjà j'ai bien commencé en tuant tout le monde. Non j'ai comme je serais grave dans la merde si je suis tout le monde ici avec tout le monde qui tenteront de me tuer après. Je serais sûr de mourir. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, et donc au revoir et à la prochaine vidéo.